Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour un méga tour de course famille nombreuse. Donc buvez quelque chose, n'hésitez surtout pas parce que comme vous avez pu le voir dans la miniature, il y a pas mal de courses. Bismillah, hein, grâce à Dieu, alhamdoulilah. On en a pour à peu près 4-5 ans, oui exactement. Bref les amis, je commence tout de suite. Donc n'hésitez pas, surtout si ça vous plaît, le like, les commentaires, le partage comme d'habitude. Merci à toutes les personnes qui m'encouragent. Ça me booste à continuer. Bref, merci à vous. Donc là, j'ai des Lulu par deux à la framboise. Ici, j'en ai d'autres à la fraise. Ensuite, il y en a deux, donc ça nous en fait quatre. Des barquettes de Lulu au chocolat. Mes princesses aiment ça, surtout mon bébé Nesrine. J'ai ça, mes enfants, un paquet d'Oreo comme ça. Elle kiffe ça. Au niveau des gâteaux, j'ai voulu tenter ceux-là. C'est marqué Rivagur. Ou non, excusez-moi, je ne sais plus lire. Oulala, autant pour moi. Rivasur Cake, marbré chocolat. Elle a remarqué chocolat noir à 50%. Ok, l'histoire d'un pâtissier français. On va tester, il y en a combien dedans? Je ne sais guère, il y en a 7 sachets individuels. Ensuite, pour le matin, j'ai rajouté ça, mais il y en a 4 en tout. Donc, ils sont là-bas. C'est les Dolce Gusto, ça, du matin. C'est Machato Caramel. Moi, c'est ce que je bois. Ou alors les Starbucks. Mais là, en l'occurrence, j'en ai pas pris. Next, je prends devant moi des marbrés comme ceci. Donc, au chocolat. Tout simplement de la marque Bonne Maman. Et il y en a deux. Merci, ma fille. Nous avons maintenant des Waouh. Alors, les Waouh, il me semble qu'il n'y en a pas qu'un seul. Je vous dirais... oui, c'est ça, j'avais raison. Il y en a deux sachets. Coucou, c'est moi. Donc, il y en a 8 et 8, 16. Mes princesses kiffent ça. Là, c'est des originales comme ça, les simples, hein, les Oreo comme ça. Ensuite, langue de chat. J'en voulais plus parce que c'est moi qui aime ça le matin. Mais du coup, il n'y en avait qu'un paquet. J'ai pu prendre que par un parce que là, ce que je vous montre, c'est du drive. Et la Bonne Maman, comme ça, il y en a 17. C'est des petits muffins au chocolat. Il y en a deux? Oui. Deux comme ça. Ça, je sais qu'il y en a plusieurs. Mais combien, je ne sais plus. Et je ne veux pas vous dire de bêtises. Je pense que c'est deux. Génoise saveur framboise de la marque Auchan. On passe du coq à l'âne. J'ai pris des petites éponges comme ça. J'en reprends toujours. Hein, on en a toujours besoin à la maison. J'ai cherché parce que juste avant d'aller récupérer mes cours, j'ai été à Action. Bon, bref, next. Je voulais des éponges magiques. J'ai pas trouvé. Ah là là, il faudrait que j'y aille demain à Action voir si je trouve des éponges magiques. Parce que dans une maison, ça sert énormément. Next, donc les éponges comme ça, tout le monde connaît. J'en ai pris deux paquets comme ça. C'est les brins. C'est 14 gaufrettes. Et j'ai pris deux. Donc, je vous disais deux. Paquet à la vanille. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors là, je ne sais plus combien il y a de paquets. Merci mes enfants, parce qu'en fait, il y en a deux. Des gaufrettes comme ça, vous savez, de cigarettes russes tout simplement. Et moi, j'aime ça le matin. J'ai quatre paquets comme ça, des Kinder Duo. Alors si je vous les montre à l'envers, ça ne va pas le faire. Comme ceci. Mes enfants, en sont dingues pour le 4 heures, pour le matin. Ça dépend, ça varie selon nos goûts du moment. Là, les Peach. Comme ceci, mes princesses, là, je les ai remis dedans. Donc, elles sont contentes parce qu'en fait, ça fait du bien de varier. Quand j'en prenais, il fut un temps, on prend ci, on prend ça et elles n'en voulaient plus. Maintenant, elles en veulent. Donc, franchement, c'est cool. Chocolat au lait, donc les Peach, hein, comme ça. Il y en a combien à l'intérieur? 8, donc ça fait 16 en tout. D'autres crêpes chocolat. Mais c'est du chocolat noir, hein, format familial. Il y en avait deux, des boîtes comme ça. Donc, les Oreo, vous savez, enrobées comme ça au chocolat. Nous avons des savanes. Alors là, ce que je vous montre, c'est à la fois soit pour petit déj, pour 4 heures, hein, peu importe. Next, là n'est pas le sujet, j'ai envie de dire de toute façon. Hop, deux savanes comme ceci, tout choco, de chez Brossard. Il y en a deux, ils sont ouverts pendant qu'on a défait les courses. Mais j'en ai deux paquets comme ça, Brossard Pocket. Il y en a 8 à l'intérieur, donc ça nous en fait 16. Il y en avait 3 en fin de compte, des comme ça. Je reprends un sachet comme ceci. Donc là, c'est des Peach pépites de chocolat, comme ça en brioche. Là, dans tout ce que je vous ai montré, c'est à la fois mon mari, mes enfants ou moi-même. D'ailleurs, ça, c'est mon mari aussi qui kiffe ça. C'est des brownies comme ça au chocolat, des individuels par 8 à chaque fois, 8 et 8 sachets à l'intérieur. Alors, les sacs poubelles.
Ah, on en vient au sac poubelle, mes ennemis. Je vais vous dire pourquoi. J'en ai pris, il y en avait 3. Donc, en fait, j'en ai pris 9. On achète 2 paquets comme ça de sac poubelle. Et le troisième est offert. Donc, moi, j'en ai pris 9. Donc, en gros, ça m'en fait 3 gratuits. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est plutôt sympa. C'est des 100 litres, hein, moi, que je prends. Hein. C'est pas d'un... Ça se remplit tellement vite avec les enfants, exact. Nous avons maintenant... Des, oh, ils sont mignons. J'aime bien leur décoration. Ils n'étaient pas comme ça sur le site quand je les ai pris tout à l'heure. Alors, là, c'est des bah, Kinder, comment dirais-je, pas du tout. Tu dis que des bêtises, Kika, faut arrêter là. Oui, du Nutella. J'en ai pris 2 pots de 350 grammes. Décoration de Noël. Décoration de Noël, exactement. Elle est vire. J'en ai pris 2. Comme ça, du beurre. Tout. Là, j'ai pris ça pour moi le matin, au cas où, du président. Super. Je me disais que j'en avais pris 3. Excusez-moi, autant pour moi quand j'en loupe. Hein. Veuillez m'excuser. Et ici, je vous disais pour moi le matin, voilà, le président, comme ça, beurre tendre, hein, si je veux tartiner quelque chose. Next. J'ai pris des fruits de shoot à la pomme, sans sucre ajouté. Comme ça, il y en a 4. Donc là, un exemplaire de ça. Ensuite, de la brosse à dents. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas français ce que je dis, zut. Des brosses à dents. Donc là, de la marque Aquafresh, il y en a 3. J'ai pris ensuite, là, c'est du 0-6 ans pour mes princesses Elmex. Comme ça, contre les caries, etc., etc. Franchement, c'est plutôt sympa le dentifrice. Un déo comme ça. D'ailleurs, j'en ai pris d'autres. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, un déo comme ça. Dove. Dove, c'est la base. D'ailleurs, en parlant de Dove, j'en ai pris 2 comme ça. Moi, ce déo, c'est un truc d'ouf. Je peux danser, je peux monter au plafond, je peux faire ce que vous voulez. Alhamdoulilah, je reste fraîche, un truc de fou. Déjà que moi, alhamdoulilah, c'est vrai que voilà, ça va. J'ai pas à me plaindre au niveau senteur ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'avec ça, je me sens 10 fois plus à l'aise quand même. Il suffit que quand on bouge trop ou même quand il fait chaud, par exemple, en été, moi, je les kiffe. Ouais, tout ça pour dire ça. N'importe quoi, Kika. N'importe quoi, Kika. En tout cas, moi, les Dove, j'en suis fan. Et j'aime aussi ceux-là. D'ailleurs, bravo, Kika, t'as fait une bêtise. C'est tombé dans l'évier. Oui, j'essuie les gouttes sur moi, comme vous voyez, bien sûr. Mais bon, bah, allez, on est entre nous. Alors là, j'ai pris du Mon Savon au lait. Il est bien aussi celui-là. En fait, c'est mon geste fraîcheur, c'est fleurs de coton, toutes légères, 0% d'alcool. Et vu que moi, je suis sensible au niveau des aisselles, j'ai tenté plein de choses, mais il n'y a rien à y faire en fait. Hein. Donc, moi, en tout cas, ceux-là, j'adhère. Et puis voilà. Les Kinder Pingui, j'en ai pris 3. J'en ai pas pris qu'un seul, ça, je m'en souviens comme ça de tête. Je sais que j'en ai pris 3. Il y en a 8 à l'intérieur. Donc, si je vous montre à l'envers, ça ne va pas le faire. Après, je vous montre. Un petit, bah, c'est des Danette Pop, chocolat bimagique. Donc, j'aime bien vérifier à chaque fois quand je fais des courses, les dates. Je ne sais pas si vous aussi. Mais moi, comme mes enfants mangent à la de tension parfois, en fait, ça dépend de quoi. Voilà. Quand on est une famille, bismillah, elle a une famille nombreuse. Grâce à Dieu, une famille, voilà, moi, j'appelle ça la famille bismillah. J'ai envie de dire que ça dépend des ingrédients. Des gaz d'ingrédients vont rester plus longtemps, d'autres ils vont partir en 30 secondes. Eh ouais, avec les enfants, c'est comme ça. Donc, je leur ai pris ça. Là, il y en a combien dedans? Il y en a 4. Donc, des petites Danette Pop. Ensuite, j'ai pris pour le chat. Comme je vous ai dit, on passe du coq à l'âne, des gourmandises comme ça. Et je pense qu'il y avait moins 60% sur le troisième. Il me semble. Je pense qu'il y avait une offre sur ça, mais je suis pas sûre. Donc, excusez-moi si je vous dis une bêtise. Au goût poulet, etc., etc., dinde... Plusieurs choses comme ça. Et 3 pour mon chat. Alors, eux, ils ont tout ce qu'il faut. Hein, donc, ça va. Mais c'est vrai que là, j'ai rajouté. Et comme j'aime bien aussi rajouter Action, mais Action, il n'y avait rien. Donc, bon, j'ai vite fait demi-tour. Après, j'ai pris ça. Alors, normalement, je prends les yaourts. Mais là, il n'y avait pas. Donc, je me suis dit, tiens, je vais goûter. J'en ai pris 2 comme ça. Ça, c'est quoi? C'est Danone Hypro 25 grammes protéinés. C'est trop bien. Soit aux 4 heures, soit le matin. Je sais pas. Je verrai. Parce que de base, le yaourt, je le prenais plus à 4 heures, des petites choses comme ça. Ou après le repas du midi, ou voire le soir. Ça dépend. Un seul, hein, je m'autorise. Et ben franchement, même mon mari, il avait kiffé le yaourt. Là, j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai pris ça pour le moment. Je vais goûter. Ça tombe bien. Donc. Et 2 comme ça, saveur chocolat. Et 0% de matière grasse également, ça. Donc, c'est vraiment cool. Moi, c'est ce que j'avais aimé aussi avec le yaourt. J'ai pris 2 comme ça, format familial. C'est les mini
biscuits, goût chocolat, les petits BN, voilà. J'ai pris pour aller dans le frigidaire, les, comme ça, les crèmes fraîches, épaisses cette fois-ci, mais 4% de matière grasse, marque Auchan. Ensuite, devant moi, je trouve du jus de pomme, comme ça, 20 centilitres, il y en a 6 de chez Auchan. Là, du Yop, j'en ai pris un comme ça, saveur quoi, framboise. Là, j'en ai pris plusieurs, il n'y en a pas qu'un. 4 comme ça au curry, ça sert franchement. Ils aiment en plus, c'est rapide à faire, donc c'est trop cool quand on est pressé ou quoi que ce soit. Voilà, tout simplement. 4 comme ça, j'en ai pris 2 comme ça. Là, cette fois-ci, c'est les Yum Yum, comment dirais-je, au quoi, aux crevettes. Et j'en ai pris 2, les amis. Voilà. Ensuite, viens ici, toi. Des danettes. Alors là, mes enfants, ils aiment ça en ce moment, donc je leur aurais pris parce que niveau yaourt, ils sont compliqués. Alors, c'est les danettes vanille chocolat. Du Babybel, ils aiment ça également. Donc, en fait, je parle au nom de mes enfants. Ils aiment ça, ils aiment ça, ils aiment ça. Mon mari et moi-même, hein. Bref, next. Et il y en a 20 du Babybel. Mais ça les invite, surtout Babybel. Hein. Moi, j'ai remarqué ma princesse Nesrine, le Babybel, ça la fait rire. Hein. Pavé d'affinois mini, l'original fois, si j'ai envie de le goûter comme ça. Il y a quelques temps, j'en avais pris le fromage, hein, donc. Mais là, ça me manquait. Je me suis dit, tiens, en plus, en petite portion comme ça, quand on fait attention, je trouve ça pas mal. J'ai pris, oulala, ça va tomber. J'ai pris, alors lui, je crois que c'est la première fois que je le prends. C'est du Gouda vieux, affiné de 12 mois. Donc, Hollande Master 1900. Bah écoutez, c'est du Gouda, mais vieux, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai voulu justement goûter. Caprice des dieux, tout le monde connaît, hein, on sait ce que c'est. Voilà. J'ai repris celui-là parce que la dernière fois, on avait kiffé. C'est du quoi? C'est le coq, doux et crémeux. C'est comme du brie, pas du brie, astaghfirullah, je me suis trompée. C'est comme du braise bleu. Là, j'ai un paquet de pâtes comme ça devant moi. Il me dit coucou, je suis tout seul, qu'est-ce que je dois faire? Donc celui-ci, c'est un 500 grammes, 9-10 minutes. C'est, vous savez, les panzani, là, les farfales. Ensuite, ça, j'en ai pris 2 pour mes princesses également le matin. C'est des candiop chocolat. Mais en plus, c'est Pokémon, c'est trop mignon. On a 2 paquets. Là, j'ai pris un comme ça. C'est mousse, donc au chocolat, au lait. Bonne maman, il y en a 4 à l'intérieur. Des coquillettes comme ça, j'ai pris 3 paquets. Alors, comment vous dire, maxi format de 1 kilo, bismillah. Je rajoute un cousteron comme ça au niveau du fromage. Et là, j'ai pas pris qu'un seul de ça. C'est juste moi en fait, j'ai pris. D'accord, donc là, voilà, les doubles, ça sert à rien que je monte. Deux fois, j'arrive à vous montrer, ils sont devant moi, mais quand ils sont à New York, ça sert à rien. On en a pris 3 comme ça. C'est les chocos fraîches. Oh, les gosses, mon mari, là, encore une fois, tout le monde kiffe. Au frigo. Un autre paquet de pâtes comme ça, c'est les tortilles comme ça, panzani, du 500 grammes. On continue maintenant, c'est pas fini, avec du frais, exactement, du surgelé. Ça, des haricots comme ça, verts extra fins à mettre dans le congélateur, j'en ai acheté 3. Ensuite, j'ai pris des frites comme ça de chez Auchan, même les haricots verts, c'était du Auchan. Ceux-là, les frites Auchan, des frites extra fines, j'en ai pris, non, 4. J'en ai pris 4, mais non, 4. Et j'ai pris des classiques, pareil, Auchan, 1 kilo, 4. Les champignons, j'en ai pris 2 comme ça. Ça, c'est cool dans la cocotte, etc. Parfois, moi, j'aime beaucoup. Alors, des choses qu'on prend souvent. Alors là, je ne vais pas vous montrer toutes les boîtes. Je vais vous dire combien il y en a. Et ça ira plus vite. Hein. J'en ai 6 comme ça, 4. Ouais, c'est ça. 6 fromages comme ça, donc edam mozzarella, emmental bleu, je vous ai déjà montré ça hein, sur la chaîne, vous les avez déjà vus, ces pizzas-ci, j'en rachète parce que chez moi, ils kiffent ça pendant le week-end, quand c'est chill, vous savez, c'est les moments tranquilles, on se repose, c'est la fête, vous voyez ce que je veux dire? Ceux-là, alors, il y en a combien des comme ça aux légumes? 6. Il y en a 6 également. Donc là, c'est tomates cerises, piment doux, oignons rouges, poivrons. C'est les 4 saisons. Mon mari, il est kiffe celle-là, je vous dis même pas. Après, ça, je sais que c'est 2. Je m'en souviens. Mega cheese, XXL, mozzarella, cheddar, oignon rouge, plus emmental. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur de la croûte, il y a du fromage. Après, on passe à cette pizza 6, saumon crème, plus fromage masdam. 6. Merci ma fille.
Maintenant, je les ai devant moi, là, goût multifruits. Je regarde, hein, pour pas vous dire de bêtises, oui. Donc, les multifruits comme ça de la marque Auchan, il y en a 4, j'en ai pris 3. Là, le Perrier, comme ça, moi, il n'y a que moi qui en bois. Si mon mari, de temps en temps, mais c'est vraiment moi qui en bois. Voilà, exactement. C'est faible en calories. Et franchement, c'est très bon. Il y en a 4 à l'intérieur des canettes comme ça. C'est ananas mangue. J'aime beaucoup, moi, le Perrier. Ça m'aide à digérer, etc., etc. Que ça soit nature ou en goût comme ça. Moi, franchement, je recommande. Pour la digestion, rien à dire. Ça ne fait pas prendre un gramme. Hein. J'ai perdu du poids avec ça. Donc, c'est pour vous dire. J'ai pas trouvé mon Perrier, justement. Quand je disais Perrier, je l'ai pas trouvé. Donc, j'ai pris de la cristalline. Je sais pas si je l'ai déjà testé ou pas. Je sais plus et je pense pas. Donc, je vais voir. La délicieusement pétillante, 6 fois 50 centilitres. Et des œufs, il y en a combien? Eh ben ça, je ne sais guère. Je crois 18, exactement. C'est des poules, en fait, élevées en plein air. Et maintenant, je reviens. Je me suis pris pour moi, comme je fais attention. Moi, chez moi, ils ont la leur. Mais moi, pour quand je fais des œufs ou des petites choses comme ça pour me faire un petit plaisir, etc. Parce que dans la vie, il faut savoir manger de tout, mais faire attention. Quoi, du moins, je parle pour moi. Attention, pas du jugement sur la chaîne. Chacun fait ce qu'il veut. Je parle en ma personne. Je me suis pris ça, en fait. La mayonnaise, tout simplement pour dire ça, la mayonnaise allégée. 450 grammes, j'en ai pris 2. Alors, j'en ai pour un certain temps, à part si on m'en pique, j'ai envie de dire. Parce que quand ils ont plus la leur, ils piquent les nôtres. Oui, exactement. Voilà. Des pâtes comme ça, j'ai pris pour ma princesse l'après-midi. C'est des pâtes Disney. Réponse, il y a Cendrillon et il y a Belle. Là, j'ai pris ça pour moi. En général, moi, j'aime bien... par exemple, je sais pas, moi, je vous dis n'importe quoi, je vais me faire des haricots verts. Et bien, avec les haricots verts, j'ai envie de me mettre une boîte et rap, je la mets dedans. Franchement, moi, les champignons, j'aime beaucoup ça. Je me suis pris 2 boîtes de... Next. Et... Oncle Ben's, j'en ai rajouté également. Voilà. Donc moi, je prends ceux-là, en fait, hein, du riz long en grain. Mais vous savez, à cuire, pas avec les sachets. Juste, je mets le riz comme ça et je le fais cuire. Parce que les sachets, moi, je suis pas fan. Et j'ai rajouté un autre. J'ai vu qu'il y en avait un autre. Donc au final, tout à l'heure, je vous ai dit un. Mais en fait, c'était 2 pâles comme ça. J'ai pris de l'eau cristalline comme ça. Pour les enfants, etc. Je trouve ça pas mal. Donc là, c'est 6 fois 50 centilitres. Ça à la fraise. Tout simplement. Elles aiment ça. Et puis, de temps en temps, au lieu de mettre, par exemple, de l'eau ou du sirop, ben, on prend ça directement et c'est pratique à dire vrai. Hein. Les amis, j'ai rangé du mieux que possible. Il fallait nettoyer le frigidaire, etc., etc. Je vous passe hein, les détails. Là, maintenant, des comme ça. Pourquoi je dis des? Parce qu'en fait, j'en ai pris 2. Hein. Lipton Ice Tea. Ice Tea. Oh là là, format familial. Donc, 2, voilà, tout simplement. J'ai pris ça pour mon chien. Je lui ai rajouté, en fait, poulet, dinde, duo de bœuf et foie et duo de bœuf et agneau. Donc, 3 de chaque à chaque fois. C'est du pâté. Il va être content, mais de dingue. Je peux pas prendre toutes les bouteilles, les amis. Mais là, je vais pas prendre 8 bouteilles comme ça dans ma main. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pris 8 cristallines comme ça, grand format, de 1,5 litre. Donc, 2 comme ça, c'est Oasis Ice Tea de 1,5 litre. Et cette fois-ci, c'est en Oasis et pas en Lipton. Et en fait, apparemment, tu préfères lequel d'ailleurs, Lina? Entre l'Oasis et le Lipton, non, Lipton. Lipton, ok. On continue toujours avec celui-là, là, c'est le Tropical. J'en ai pris 6. Moi, franchement, je respecte toutes les personnes qui les montrent par plusieurs. Je vous jure, moi, je peux pas. Je préfère vous dire le nombre. Et voilà, quoi, tout simplement. Parce que si je dois porter 6, etc., c'est... Même pour vous, je vois pas le truc, quoi. Il y en a plein, c'est pas joli. On est comme ça. Donc voilà, il y en a 6 comme ça. Ensuite, 6 également comme ça. Là, c'était des... Alors, attendez. Je vous ai pas dit, mais ça, c'est des 1,5 litre, ceux-là, les tropicales. Que ceux-là, framboise, cassis et pomme, toujours Oasis, c'est du 2 litres. Et là, j'en ai pris 6. Je crois que c'est un anniversaire, hein, c'est un anniversaire. J'en ai pris 6 également. C'est bon, cette fois-ci, je ne me suis pas trompée comparé au grand retour de course que je vous avais fait il y a quelques temps. Là, je ne sais plus quand, mais bon, bref, next. Parce que j'avais pris du 0,50 en fait, centilitres. Là, c'est bon, c'est du 1 litre 100% pur jus de pomme. Et il y en a 6 également. Alors, le Pepsi Max, la dernière fois j'avais pris Coca, donc là je me suis dit tiens je vais changer. Pepsi Max, donc c'est 4 fois 1,5 litre, c'est format familial.
Et là, j'en ai pris 10 packs. Il y a de quoi faire, j'ai envie de dire. Mais ça fait du bien, hein. Ça permet de ne pas racheter toutes les 30 secondes chrono. J'ai pris le lait comme ça au champ. C'est du lait écrémé. Personne ne boit de lait chez moi. Sauf que moi, je les prends pour faire les flans entremets que je kiffe tant en dessert pour moi-même parce que personne n'aime ça également à la maison. Donc du coup, j'en ai pris 4 comme ça. Au moins, je suis tranquille. Alors, là, c'est du coca normal. C'est 6 fois 1 litre 25. Et là, cette fois-ci, donc c'est le coca normal pour mes enfants, mon mari surtout, etc. Et j'en ai pris 3. Bon, bah écoutez les amis, là, c'est super lourd. Mais je termine mon retour de course avec ça. C'est Friskies Purina. Il y a 10 kilos. J'avais pas pris 10 kilos, mais en fait, au champ, il fonctionne. En fait, quand il n'y a pas, par exemple, moi, si je prends 4, 7 kilos, je sais pas combien j'avais pris, hein. Parce que j'aime pas, hein. Franchement, je veux pas dire de bêtises, je déteste ça. Bah, quand ils ont pas, ils donnent un substitut en fait. Donc, du coup, j'ai vérifié que c'était bien bœuf, légumes, etc. Et c'était bien ça. Pour mon chien, cette vidéo. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Et pendant qu'on y est, si vous voulez rester encore un tout petit peu, si vous voulez, j'ai bien dit si vous voulez, je vous montre très rapidement ce que j'ai pris chez Action. Parce que je veux pas vous faire un haul juste pour ça. Attendez, je reviens. J'ai pris juste des éponges comme ça à rajouter pour la salle de bain, etc. J'ai juste pris ça de l'Ajax, comme ça, vous savez, pour des tartrans salle de bain. Les éponges que je vous ai dit, il n'y a rien d'extraordinaire, vous allez voir. Hein. 1000K comme ça. Là, c'est quoi 1000K Oreo, une de mes princesses a voulu. Là, je leur ai pris ça, il y a quelques boules dedans avec un petit Papa Noël, etc. Chez Action, ces petites choses-là, c'est trop bien et c'est pas cher. Ensuite, un gel douche comme ça, elles ont voulu. Donc, c'est les Disney Princesses. C'est un gel douche de 250 ml. Et moi, j'ai pris pour la maison. Bah oui, pour la maison, exactement. J'ai rajouté, j'aime bien ce liquide vaisselle, en fait. 99% d'ingrédients naturels, etc. 100% recyclable. Il est bien. Moi, j'en ai pris 2. Après, les enfants, elles se sont fait plaisir, en fait. On a été à Aéroville. Je vous le montrerai rapidement. Elles se sont pris ça, vous savez, le Funzo. À Funzo d'Aéroville, on a été juste avant d'aller récupérer les courses. Elles ont pris ça. Elles ont pris un Resist comme ça. Elles se sont pris un autre Resist comme ça. Et elles ont mangé ça. Mais ça, ça vient d'Action. Il y en avait 4, il me semble, dans le paquet. Et elles avaient faim, c'était l'heure du goûter, etc. Donc, elles se sont autorisées ça en sortant d'Action. Hein, elles ont, bah, elles étaient contentes. Enfin, elles vont manger, oui, oui, il n'y a pas de souci. Et à Funzo, moi, je me suis pris ça. Regardez-moi ça. C'est des tasses comme ça, trop mignonnes, trop cute. Donc, il y en a une Hello Kitty déguisée en Pouchine et Pouchine déguisée en Hello Kitty. Je vous montre ça très rapidement. Regardez la première tasse. Donc, c'est Pouchine en Hello Kitty, comme ça, trop mignonne. Et regardez derrière. Et l'autre, c'est quoi? C'est Hello Kitty déguisée en Pouchine. Ah, elle râle, elle mange. Et quand elle mange, elle râle. Exactement, c'est les enfants. Et derrière, elle a marqué Hello Kitty. Pouchine, on a compris quoi, c'est, elle se déguise. Franchement, magnifique. J'ai payé ça 13 euros et quelques, je m'en souviens. J'ai pris ça parce que ma princesse Nesrine kiffe les Crybaby, tout comme ma princesse Inès. Mais ma princesse Inès, elle en a pris un autre. Donc, Crybaby comme ça, c'est des nouveaux. Donc, j'en ai pris 2. Et c'était à Pickwick, comme vous avez compris, qui me jouait, vous avez saisi, à Aéroville. Et là, Inès, elle a pris le plus gros comme ça en forme de glace, vous savez, en rocher comme ça, magnifique. Et on verra ce qu'il y aura à l'intérieur. Voilà les amis, j'ai fini. J'espère que ça vous aura plu ce moment passé avec moi. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à les liker, etc., etc. Ça fait toujours plaisir, ça booste la chaîne. Ça m'encourage à continuer. Vraiment, merci. Gros bisous à tous. Et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao.